Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais faire un unboxing. Alors désolé, j'ai pas beaucoup de voix donc je vais pas parler très fort. Juste mon adresse. Comme ça, il n'y a pas de problème. Hop là. Donc c'est un colis de chez Fancl. Donc nous, c'est pas un partenariat. C'est moi-même, je voulais les articles que j'ai choisis, donc voilà, donc j'ai payé avec mon argent, donc je vais vous dire le prix. Donc ça va, c'est pas, pour moi c'était pas très très cher, donc pour trois articles. Donc là il y a trois articles, donc j'ouvre le papier et je vous explique. Et 3. Donc on va commencer par ça. Donc le petit nounours, il coûtait 12,99 €. Donc c'est pas cher du tout. Hop. Donc je l'ai pris en rouge. Voilà les anneaux. Ah bah vos couillons. Bon, j'y arrive pas. Je vais quand même y arriver. Hein. Là, c'est bon. J'y arrive pas. Bon, c'est pas grave, je demanderai à quelqu'un de. Donc c'est articulé, on peut bouger la tête, on peut bouger les bras. Donc je pensais qu'il était tout petit et qu'au final avec les pattes ça fait vraiment grand. Donc voilà, pour ça. Donc je vais enlever le truc, mais je vais le laisser dans la boîte. Donc j'aimerais bien savoir comment on le met parce que. Ah, voilà une jambe. Donc c'est vraiment une très bonne qualité parce que comment je galère à mettre les pieds. Donc c'est en diamanté, hein. Il faut diamanter tout. J'enlève ça. Donc il faut diamanter tout. Donc j'espère que je vais avoir assez de voilà. Et là bien debout. Voilà le petit ça tient debout, donc il est très beau. Donc voilà, on peut bouger les pattes. Donc je pense qu'on peut le faire assis. On peut être assis, je pense. Peut-être pas, je sais pas. Hein. Je dis ça, mais. Peut-être qu'il ne peut pas être assis. Peut-être que debout. Non, on ne peut pas être assis. Bon, c'est pas grave. Il va être debout celui-là.
Donc voilà pour ça. Donc il est très joli, a une bonne qualité. Je vous mets plus près. Hein. Donc il n'y a pas d'alcool fourni. Hein. Donc il faut acheter à part. Donc c'est pour ça que j'ai un autre truc et l'alcool fourni. Donc voilà. Donc il est très joli. Donc voilà les diamants. Les diamants, je l'ai pris en rouge. Donc voilà les diamants. Donc j'espère que j'en aurai assez. Donc il est très joli les diamants. Et le tout kit, donc voilà, une grosse coupelle bleue, un stylet et un pain de colle. Et voilà pour ça. Donc je l'ai commandé le 13 août. Et aujourd'hui, on est le 27. Donc ça va. Voilà pour le nounours. Je vais faire la toile. La toile, alors pardon si ça bouge. Hein. La toile, c'est j'aime bien ce concept de toile. Heureusement que c'est ça. Donc c'est du carré. Donc le toolkit de base, hein, voilà. Les diamants, donc ils sont très jolis. Donc il y a 29 couleurs. Donc voilà les diamants. Et voilà la toile. C'est une toile mystère. Voilà. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Alors, j'essaye de voir, mais je vois pas que c'est. Je vois juste qu'il y a un cœur là. Ah, ici. Donc, et après, je vois pas. Donc, je vois pas ce que c'est, même en rotocaméra je vois pas. Donc bref, il y a 29 couleurs, c'est en carré, ça colle hyper bien, les symboles c'est nickel, il n'y a pas de rivière ni rien, c'est nickel. C'est nickel, vraiment, il n'y a pas de truc à dire de plus. Hein, donc voilà pour celle-là. Donc, une toile mystère. Donc, elle m'a coûté pas cher du tout. 6,99 €. Donc, voilà. Donc, juste, voilà. Mais bon, c'est pas sur la toile. C'est juste le blanc du côté. Donc, ça va. Il n'y a pas. Voilà. Donc là, je vais marquer. Toile. Mystère. Fancel. C'est un S ou un S? Non. J'ai pas dit la taille. Désolé, je vais vous le faire tout de suite, mais je crois que c'est 40 par 50, voilà. Alors, est-ce que c'est déjà 40 par 50 Ouais, on peut dire. On peut dire que c'est mieux 40 par 50. Hop là. Je mets juste
la taille et c'est plus carré pour me retrouver droit. Voilà. Et alors, les diamants sont très jolis. J'ai l'impression qu'ils sont très bien taillés. Donc c'est beaucoup de dégradés de rose, comme vous pouvez le voir. Donc je vais pas les ouvrir. Hein. Je pense que j'ai. Donc c'est des gros numéros écrits dessus. Toi, mystère. Voilà. Donc oui, je mets toujours la toile et les diamants à part. Voilà. Donc je mets avec les diamants. Hop, juste à côté de moi. Et après, il y a ça. Donc, je ne vous montre pas parce que c'est... Voilà, vous voyez ce que c'est. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Alors, vraiment, désolée pour ma voix. Hein. J'ai une grosse angine. Donc non, je n'ai pas le Covid. Hein. J'ai juste une angine. Ça fait 2 jours que je l'ai. Donc, désolée pour ma voix. Alors, c'est cool, très cool. Trop cool. Là, ça, c'est le dessus. Alors, je vais mettre juste ça à côté. Hop. Alors, je vous dis directement le prix de cette poubelle. Alors, si ma tapette veut bien s'allumer. Cette poubelle coûte 8,99 €. Donc, ça se présente. Hop. Comme ça. Donc, c'est une toute petite poubelle. Hein, est quand même assez grande, je trouve. Donc il y a un trou, hein. Donc, voilà. Donc j'ai pris la poubelle parce que il y avait la colle, donc un gros tube de colle comme ça. Donc c'est très grand, donc je vais faire la poubelle et le petit ourson. Donc voilà, donc il faut mettre un petit peu et après les mettre les diamants. Donc, je pense que je vais faire un petit peu avec vous, mais pas toute la poubelle. Hein, parce que ça va être compliqué à filmer. Donc après, il y a une petite coupelle comme ça. Un petit rikiki pencol. Un stylet. Alors, des... diamants, je pense, normaux, blancs, pour le petit museau. Des gros, comme ça, pour le mon-œil. Donc, il n'y en a besoin que 2 et j'en ai 7. Donc, voilà comment ça donne. Hein, quand a... voilà. Et du, bah, je pense que c'est du 310. Du noir pour le petit museau là et les oreilles. Par contre, okay. Et après il y a ça, un grand paquet avec toutes les tailles mélanger, donc petit, moyen et grand. Donc moi, je pense que je vais les trier, les grands, les petits, les moyens, parce que j'aime bien quand ça soit bien tout rangé. Donc voilà. Donc voilà. Et une petite raclette pour la colle, pour bien étaler. Rose, voilà.
Donc ouais, je pense le côté bémol, donc négatif, c'est que c'est tout mélangé, hein, mais bon, je pense que je pourrais faire trier, je pense. Donc c'est du marron, hein. Donc la poubelle elle va être toute comme ça. Donc il faut mettre plus grand, plus petit, le moyen, mais comme il faut. Donc voilà pour la poubelle. Je trouve que c'est vraiment très bien. J'ai l'impression que les diamants sont très bien, très très beaux. Donc j'ai beaucoup attendu pour avoir cette poubelle. Donc quand j'ai vu qu'elle était disponible, je l'ai prise. Parce que quand je l'ai regardée la première fois sur une vidéo de YouTube, elle était plus disponible. Donc voilà. Donc vous voyez, vous pouvez mettre plein de choses dedans. Donc c'est une poubelle. Donc on ne diamante pas le dessous, hein. On diamante juste là. Donc elle est très très belle. J'ai l'impression que c'est de bonne qualité. Après on peut acheter des petits sacs poubelles pour mettre dedans, pour pas saler à l'intérieur. Mais bon, moi ça va me servir que pour les diamants, mal taillés, tout ça, parce qu'on a toujours besoin d'une petite poubelle à côté de soi pour remettre, voilà, pour mettre, je sais pas, les diamants mal taillés, les sachets vides qu'on vient juste d'ouvrir, et voilà, des trucs comme ça. Donc, voilà pour cette poubelle. Donc, elle est très mignonne en plus. Donc je vais vous lever un petit peu. Voilà. Pour que vous voyez. Et mon ours à côté, c'est la même taille. C'est la même taille. Donc c'est pour ça que j'ai pris le nounours et la poubelle en même temps. Pas que le nounours et après la poubelle. Parce que la colle, je peux l'utiliser aux deux. Parce que il y a. Je ne sais pas s'ils ont marqué les graines dedans. 50 ml. Donc c'est quand même beaucoup. Donc derrière, il y a comment faire. Donc c'est une colle strong. Voilà, transparent. Ok, donc ça pue. Donc c'est un bout comme ça. C'est un bout de le même. Donc voilà. Bon, la colle a pu un petit peu, mais bon. C'est une colle, quoi, après tout. Donc, ouais. Je pense que je vais en avoir assez pour les deux et même pour faire autre chose à côté. Après, là, j'en ai pris un pour tester le petit nounours. Je sais qu'il y en a d'autres petits nounours. Là, c'est le papa nounours. Et je vais faire peut-être la maman et des bébés, parce qu'il y a des bébés qui existent, bon, pour faire la porte-clé. Donc lui, je l'ai pris en rouge et je lui ai remontré les couleurs. Alors désolé si je bâille, je suis très fatiguée. Donc le rouge, c'est pas, je pensais que c'était un rouge très foncé, mais au final c'est très joli.
Donc derrière c'est du blanc. Derrière les diamants. Donc je vais vous montrer dans la poubelle fournie avec. Ils sont vraiment plus gros que d'habitude, donc avec les trilles c'est très compliqué. Alors j'en suis, j'en sème, c'est pour savoir si ça pousse. Donc ils brillent beaucoup, donc c'est très bien. Donc je pense que ça va être très cool à faire. Donc je vais pas le faire tout de suite, je pense que je vais commencer par la poubelle et après l'ours. Donc voilà tout. Donc je vais garder le toolkit pour essayer avec, savoir si ça va. Sinon si je trouve que le stylet c'est un peu galère, je vais prendre une pince ou un autre stylet. Et par contre, pour la poubelle, vu qu'il y a trois formes de diamants, je préfère faire avec. Pas tout mélanger, quoi. Je préfère avoir les trois trucs bien distincts. Parce que sinon, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Donc vu que j'ai des boîtes, je vais vous montrer comme ça. Bah j'en prendrai trois. Bon là c'est pour l'école bleue. Là, pour l'école bleue. Donc je vais faire comme ça. Donc alors. Alors toi tu prends la place quand même, tu prends même plus la boîte. Donc le fini, hop, je vais vous mettre comme ça. Il sera comme ça. Donc ça va être très très joli, je trouve. Bon après, si vous voulez des yeux, là j'en ai 7 et j'en ai besoin que 2. Donc je peux mettre les yeux de là dessus. Donc après vous faites comme vous voulez. Moi je vais en mettre, je pense, pour mettre des yeux là, les deux là, pour faire des yeux. Alors, je ne sais pas forcément où. Et voilà. Et peut-être prendre du noir pour faire le petit nez, pour voir bien quand même les yeux et le nez. Après je m'en fous s'il y a de la bouche. Après tout en rouge. Mais comme ça il sera un petit peu plus beau. Mais bon après ça c'est moi. Hein. Je fais comme je veux. Hein. Et voilà. Donc voilà pour la poubelle, voilà pour la toile. Et le nounours. Donc j'ai pas eu pour cher. Hein. Le plus cher c'est le nounours. Je pensais que la poubelle elle serait plus chère parce qu'il y a la colle fournie. Et qu'au final, bah, c'est le nounou qui est plus cher. En plus, il n'y a pas la colle ni rien. Donc ça fait quand même un peu cher pour 100 colles. Si vous payez à part de la poubelle, bah, vous pouvez. Vous n'avez pas la colle fournie. Quoi. Mais bon, voilà. Moi j'ai la colle fournie. Avec la poubelle, donc je vais finir la toile que j'ai commencé. Je vais en parallèle faire les diamants et voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo parce qu'il y a vous pouvez me le dire. Encore un unboxing qui va arriver, mais peut-être début septembre. Donc, fin août, mais vraiment fin. Mais vu que là, on est déjà 27, je pense qu'il va arriver début septembre. Une grande, grande toile. Mais bon, voilà, je vous dis pas plus.
Je vous laisse avec cette vidéo-là. Donc, elle va être peut-être postée dans pas longtemps. Donc voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et encore désolée pour ma voix dans cette vidéo. Je voulais la faire. Donc, voilà, j'ai pas attendu. Parce que moi, voilà, je suis comme ça. Donc, bah, je vous souhaite à tous. Pour moi, on est vendredi, donc un bon week-end et un bon vendredi. Et voilà. Donc, je vous dis à plus tard et prenez soin de vous. Bisous.